donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect 3 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés après avoir fait un petit tour de Normandie et on va tout de suite faire la mission donc pour le laboratoire de ce Cerberus, donc une mission annexe, et on va tout de suite y aller. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que moi oui. Donc on va prendre ces deux personnages. Voilà, ça c'est bon. Il faudrait peut-être le changer. Le venin, pardon. Donc, en gros, cette vidéo la précédente, il y a eu quelques changements. Là, donc j'ai farmé un petit peu les galaxies. Vous comprendrez ce que je veux dire, farmer les galaxies un peu plus tard. Allez. Ouais, donc j'ai scanné toutes les galaxies pour le moment qu'on puisse faire au début du jeu. Donc là on fait les missions quoi, ça m'a pris un petit peu de temps, c'est pas grave. Commandant, j'ai eu un mot de l'amiral Hackett. Passez-le-moi, lieutenant. Shepard, on a découvert un labo de Cerberus. Fonction inconnue. On a envoyé une équipe de reconnaissance, mais elle a dû vite se retirer. D'autres renseignements? L'endroit semble servir à stocker et étudier la technologie des moissonneurs. On pourrait obtenir des informations sur les liens entre Cerberus et les moissonneurs. On essaie. Trouvez ce que fabrique Cerberus et rapportez un maximum de technologie moissonneur. Enquête terminée. Ok, on pourra y aller. Commandant, j'ai localisé le premier stock, mise à jour des coordonnées. Alors. J'y vais. C'est de l'autre côté. Ouais, d'accord. Il y a deux passages, on dirait. Oh. Ouais, hop, 36, nice. On fait le tour, hein, on fait le tour, bien entendu. Loupé. On va changer d'arme. Ouais, donc elle a l'air un petit peu puissante comme arme, mais bon, il faut savoir viser avec. Fouille un petit peu en attendant. D'accord, mais maintenant ils doivent même se suicider, eh bien. Artefact. Bon, ça a l'air bizarre. On doit avoir trouvé. J'ai l'échantillon. Bien sûr. On prend d'autres ou pas? Non, on n'a pas l'air.
J'en veux d'autres. Oh là là. On peut pas. Alors, où est-ce là-bas? D'accord. Second stock localisé, commandant. Coordonnées mises à jour. Bien joué. Choix visé quand même. Jamais dit que ce serait simple. Dans ta tête. Tout de suite. Tenez bon, c'est pas encore fini. Je peux faire ça toute la journée. Cortez, vous me recevez? Quelle est votre situation? J'engage plusieurs ennemis. Je vais devoir prendre des risques. Souhaitez-moi bonne chance. Lieutenant! C'est notre ultime combat, commandant. Restez concentrés et continuez. La l'air d'atterrissage. Commandant, j'ai dû en faire de belles pour les semer. Je fais le tour, j'arrive plein pot dans une minute. On est prêt pour l'évacuation et on vous attend. Et c'est assez facile quand même, pourtant je suis pas en facile hein. En normal, hein. Bizarre. On est au point d'évacuation. Paré au départ. J'y suis presque. Ok. Ok, c'était une petite mission sympa. Commandant, on a mis nos meilleurs ingénieurs sur la technologie des moissonneurs du labo. Qu'est-ce que Cerberus faisait avec ça? On ne sait pas encore, mais quoi qu'il manigance, ça ne sent pas bon. Même si on ne trouve pas à quoi ça sert, on a réussi à chambouler leurs expériences. Je doute qu'ils ferment boutique pour autant. C'est pas faux. On va continuer de surveiller le complexe de près. Bien joué, commandant. Ok. Yay, yeah, plus 5 de réputation. Toujours en 50%, ça il faut que je fasse du multi. Hein.
Ils l'apprendront bien assez tôt. Tous ces réfugiés doivent bien aller quelque part. Commandant, il y a des messages non lus sur votre terminal privé, commandant. D'accord. Voilà, Sanctum, c'est fait. Le secteur psytophée. Obsidophée. Mais signal confirmé, est-ce que ça veut dire qu'une planète on peut aller à GC2? Je sais pas pourquoi elle dit ça en fait, Idéa. Je ne sais pas du tout. J'essaie de regarder quand même, mais. Quand j'ai cherché partout, j'ai pas vu une seule planète où je pouvais atterrir, du moins. J'ai pas vraiment fait très attention. Je sais qu'il y a des moissonneurs, mais bon. Je me demande si c'est pas ça, finalement. Esquive réussie. D'accord, donc ça c'est fait. Félix Project. On va aller là. Et on va aller à Phoenix Project, je ne sais pas ce que c'est, on va bien voir. Avant d'aller directement dessus, on verra ce qu'on a comme arme. Petit instant. Sauvegarder. Alors, comme mission plutôt, journal. Ok. Ok. Alors donc on va... Ça c'est priorité. Donc on va d'abord aller sur... ouais, faire les quêtes annexes quoi. Donc sur Trident. Faut qu'on scanne, c'est ça, voilà. Je vais essayer d'aller voir. Bon, résidentiel tout d'abord, pour voir l'IRA de Sony. Hein. J'espère que ça ne l'a pas trop de l'autre côté. Passez une excellente journée. Prête pour la mission suivante? Oui, prête. Avec un petit hoodies, tout ça, tout ça. Dans la salle des machines pour voir notre cher Dzirna à l'ars. D'ailleurs, on peut demander à faire dégager quand on veut. Autrefois, les caméras n'avaient pas de... On doit parler, commandant? Pas maintenant, Alers. Faites-moi signe. Dans ce cas, à quoi sert ça? Ok. Donc on va aller sur la citadelle quand même. Hein. Apparemment pour ce qu'on devait faire là, ça a été fait. C'est juste un petit scan, je pense. Comment regarder si on n'a pas de mail? Non. Ça c'est fait, ok. Donc allons d'abord à la citadelle. D'abord donner ça, ensuite on fera encore une autre quête annexe.
donné pour la quête, hein, tout le monde avec l'étendard et tout. Bienvenue, commandant. Vous avez... Je m'en charge. Oui, commandant. Skip-moi ça, skip-moi ça. On s'entend de chargement, je l'ai pas vu. Ah là là. Beaucoup, beaucoup de temps de chargement dans celui-là quand même. Il faut que je trouve une personne pour l'étendard. Tu vas juste rester derrière les lignes ennemies sans communiquer jusqu'à la fin de la guerre ? Non, on fait des rotations. On sera la plupart du temps dans des zones fortifiées jusqu'à ce que la fin de la guerre. Ilium est attaqué. Bien que cette colonie à Sari soit à l'autre bout de la galaxie par rapport à Blaine et Matter. Bienvenue, commandant Shepard. D'abord à l'hôpital, ensuite on ira à l'ambassade. Si j'ai quand même laissé les temps de chargement animés comme ça. Nous arrivons à l'hôpital mémorial de Huerta. Bienvenue chez Sirta. Soyez prudent. Rebonjour, commandant. Son trauma crânien était... Vous pouvez aller la voir. Vous aussi. Ok. L'Alliance a abandonné le secteur Hades Gamma face à... Je me demande si elle est enfin terminée son opération. Non. Donc ça doit être dans l'ambassade, hein, bien sûr, pour la... pour cela. Il manque quelque chose ici. Non, Ashley, docteur. Docteur Mitchell. D'autres rapports indiquent que la Terre est tombée aux mains de la Force qui s'est emparée de l'espace. Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. C'est quand même assez rapide, hein, même si là je suis pas sur mon SST. Ah, vive-moi qu'il m'a fait dans le Roméda là, comme ça j'aurais rattrapé la série. Nous arrivons aux ambassades du Présidium. Veuillez dire à la primauté que le protectorat Volus souhaite participer au projet de par rapport à Palaven et à la Terre. La force d'invasion serait la même que celle qui a attaqué ces planètes. D'accord. Juste de voir qui on peut parler, mais... Oh, bonjour, madame. Madame, allô, nous en avons déjà parlé. Commandant Shepard, j'essaie juste de faire respecter l'ordre ici. Mais on dirait que... Ouais. Pas lui. Est-ce que je n'y aurais pas encore accès, en fait, à la zone ? C'est fort possible. Ici, donc normalement ici il n'y a plus d'armes. Oh! Ah oui, c'est vrai, ça j'avais complètement oublié. Bonus d'un DLC. J'avais quand même déjà acheté les armes. Toujours prêt, oui. Shepard. Apparemment, c'est pas tout de suite. Journal. Ok. Obélisque protéant. Ok. D'accord, d'accord, je vois. Ces attaques à l'échelle de la galaxie font partie d'un plan d'invasion à grande échelle très bien organisé.
Qu'est-ce qu'on va faire? Le laisser passer à 38. Allez, on retourne sur le Normandie. En fait, on n'a pas encore tout débloqué de la zone, donc de comment on appelle ça? La zone de la citadelle, là, voilà. On sera sûrement dans les autres zones. Il y en a un qui est donc déjà dans les zones disponibles, mais ça je les ferai sûrement hors vidéo. Ou alors quand on y retournera, je ne sais pas, on verra bien. Alors, où sont ces zones? Artefact protéin. Le Primark. Du bilan, d'accord. Donc on va aller ici pour récupérer l'artefact de protéin qui est encore une autre mission, donc la mission de Eden Prime. On atterrit. Alors, pas défier l'apparence. Sélectionner, voilà, s'en est les deux. Je reste avec mon armure quand même, qui est mieux, je trouve. Nouveau fusil d'assaut. Fusil d'assaut, je le garde, il m'a l'air bien. Et c'est lequel, c'est chez la voilà. Cela niveau des dégâts, il est pas mal non plus. Ah mais. Et quand on se tire, c'est pas très ça quoi. Ouais, allez, on perd quand même. On doit faire assez mal là. Ah, lui, je suis pas si sûr. Ok. Alors là j'ai des points à mettre en... Ok. J'aurais dû mettre aussi les points pour les autres. Oups. C'est pas. Eden Prime. C'est là que tout a commencé. Là où la balise vous a donné la vision qui nous a avertis de la venue des moissonneurs. Et c'est là que vous avez affronté Saren et les Guettes pour la première fois, pas vrai? Oui. Et à présent, c'est au tour de Cerberus. Les colons d'Eden Prime sont à nouveau attaqués. Ça semble remonter à bien plus que 3 ans. C'était grave? Beaucoup de pertes civiles. Et un drone Guette a abattu un de mes hommes, Jenkins. Le rapport dit que Saren avait placé des bombes pour raser toute la colonie. Pas pendant mon quart. Et comment, Lola? Cerberus a frappé fort sur Eden Prime. Ce qu'ils sont venus chercher doit vraiment valoir le coup. Il y a des survivants ailleurs sur la colonie. Mais ils ont massacré tout le monde près du site de fouille. Ils méritent mieux que ça. Je sais. L'Alliance a fait ce qu'elle a pu pour les évacuer. Mais Cerberus a agi si vite. S'il y a des survivants, nous ferons notre possible. Et pour ce vestige, vous savez si c'est une partie de l'engin protéin trouvé sur Mars? L'Alliance n'a aucun renseignement relatif à la trouvaille de Cerberus. Mais dans tous les cas... pas question de laisser Cerberus le prendre. Je vous approche autant que possible du site de fouille. Nous serons détectés, mais vous devriez avoir quelques minutes. Compris.
Allez tout le monde, parez à agir. Avec de la chance, on pourra atteindre le site avant que Cerberus ne nous remarque. Aucune trace de survivant. Allons-y, il faut trouver le site de fouille. Ok. C'était une belle colonie autrefois. Ils sont revenus après l'attaque des guettes. Ils reviendront encore. J'ai grandi sur des vaisseaux. Quand on en perd un, on peut en changer. Les souvenirs demeurent. Alors où est-ce que c'est... Ça va pas dire par là tout d'abord, mais on va quand même fouiller. Plein de crédits... Pour aller en mettant sur pause. Ces données sur Cerberus pourraient aider les survivants ailleurs sur Eden Prime. Comment ? Je peux transmettre ces infos à la résistance d'Eden Prime. Elle pourra peut-être s'en servir contre Cerberus. Regardez ça. Des fragments de technologie protéenne qui dépassent du sol comme de vieux os. Hé, Liara, vous avez déjà trouvé un dinosaure en creusant ? Non. Les dinosaures et les autres fossiles relèvent de la paléontologie. Je suis archéologue. J'étudie les vestiges d'espèces douées de conscience. Ces deux disciplines n'ont rien à voir et... Vous me faites une blague. Hé, hey, j'aime les dinosaures, c'est tout. Là, je crois que c'est l'ascenseur qui mène droit au site de fouille. La déesse, ça semble impossible. Ce n'est pas un vestige protéen. C'est un protéen. Ce serait un récolteur ? Une de ces choses créées par les moissonneurs à partir des protéens ? Non, un véritable protéen, intact et toujours en vie. Vous avez raison, ça semble impossible. Vous avez vu les chambres de stase dans les archives sur Ilos ? La seule raison de leur panne, c'est le manque d'énergie. Cerberus a trouvé ceci dans un bunker souterrain. C'est toujours alimenté. Il a été en stase pendant 50 000 ans à nous attendre. Pensez à ce qu'il peut nous apprendre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les protéens ? Le peuple, pas la technologie. Vu votre expérience avec l'énigma protéen, vous en savez sûrement autant que moi sur eux. L'Empire protéen s'étendait sur toute la galaxie. Ils ont édifié une multitude d'autres espèces pour les aider à rejoindre la communauté galactique. Édifié, hein ? Comme lorsque les Galariens ont aidé les Krogan à évoluer un peu plus vite. Oui, à en juger par les sites de fouilles des archives protéennes sur Mars, ou ici sur Eden Prime, les protéens voulaient instruire les autres espèces. Il est clair que le savoir, la croissance et la coopération avec le reste de la galaxie leur étaient chers. Vu comment vous les décrivez, ils ressemblent beaucoup à Asari. Ma description est influencée par mes propres a priori. Quoi que furent les protéens, en trouver un vivant représente une opportunité unique. C'est une bonne chose que nous ayons amené notre experte. J'espère être utile. Si ce seul protéen a été mis en stase, c'est peut-être parce que c'était leur chercheur le plus brillant, ou peut-être leur meilleur conseiller. Cerberus a endommagé le module quand ils l'ont sorti. Les signes vitaux sont instables. Alors sortons-le d'ici. Non, fracturer le module le tuerait. Il faut trouver le signal qui ordonnera la fin de la stase. Il faut aussi qu'on devine comment ouvrir le module sans faire plus de dégâts. Cerberus s'est emparé des labos à côté, pour examiner leurs trouvailles. C'est sans doute notre meilleure chance. Gaffe ! D'accord. On y va avant que d'autres nous tombent dessus. Allez, allez. On a changé de passage, non ? Moi, j'ai l'impression. Hein. Pas l'air d'avoir de données ici.
en trouvent, plus ils auront de chance. Bah très bien, alors on va tous les trouver. Là, il reste un peut-être. Ça, ça a l'air d'être bon. On fouille quand même. Allez, donnez du module son là, d'accord. Alors si on monte, il y a quoi là-haut ? Il a l'air de rien avoir, d'accord. Là-bas normalement c'est les données. Données de module, ouais. Je prends un peu mon temps pour tout fouiller, hein, bien sûr. Voilà, c'est cet enregistrement du labo des protéines. Cerberus l'étudie pour savoir comment ouvrir le module. Sachant qu'on peut pas voir très loin les points exactement. Ça m'a fait peur. Ils ont été abattus alors qu'ils regardaient un match en buvant un coup. Les fils de pute, c'était la maison de quelqu'un. Voilà, ce labo a trouvé des archives vidéo des protéins. Cerberus l'étudie afin de trouver le signal de désactivation de stase. D'accord. Ici, il y en a un. Je suis déjà venu, je crois, oui. On prend notre temps, on ne rush pas. Je ne veux rien louper. C'est un RPG après tout. Bon, un demi-RPG parce qu'on n'a pas tant de choix que ça, mais bon. C'est un RPG quand même. D'accord, les données malus sont à l'intérieur. J'imaginais que notre empire vivrait. Il vivra. Nous dormirons ici et lorsque les moissonneurs partiront,
Un million d'entre nous se dresseront. Pour l'Empire. Pour l'Empire. Votre module attend. Victoire. Envoie le signal préparatoire à tous les modules. Et les réfugiés encore en route vers le bunker ? Leur sacrifice sera honoré dans le prochain Empire. J'ai le signal. Vous avez compris ça ? Non. Non, je n'ai vu que des parasites. Cerberus essayait d'en tirer quelque chose. En vain. C'est l'énigma protéen que vous avez reçu sur Féros. Il vous permet de voir les images comme un protéen, et de comprendre leur langue. Quoi que ça fasse, j'ai vu la vidéo. Et le signal qu'ils ont employé. Parfait. Alors on n'a plus qu'à deviner comment l'ouvrir. D'accord, donc c'était comme ça qu'il ressemblait les protéins, j'avais complètement zappé. Ennemi à 100%. Je pense qu'il y a des ennemis. Hein. Ah non. Donc on va au deuxième cette fois-ci. Hein. Alors attendez, je regarde mon journal. Eden Prime, d'accord. Ok. Sur J-Descente, c'est quoi ? Non, c'est celui-là au-dessus. D'accord. Victoire, celle des cloisons. Compris. Quelles sont les pertes ? Les forces des moissonneurs ont détruit environ 300 000 modules de survie. Un tiers de notre peuple. Alerte ! Impossible de sceller la cloison nord. Ennemi détecté. Toutes les forces au nord. Oui. Parfait. Alors on a tout ce qu'il nous faut pour l'ouvrir. D'accord. Oh bien sûr, c'est bon, c'est pas marrant. Et voilà des renforts. Affirmatif.
pouvoir retourner là-bas. Sans trop de soucis, je pense. Ok. Ils ont rentré le pont. Il faut trouver un autre chemin. Un autre chemin. Bien marrant de dire ça, mais où? Va être là. Ah, c'est bon, je l'ai. J'espère quand même que vous m'entendez bien. Hein. Ce serait dommage sinon. Et là, on peut descendre. On va enfin libérer ce protéin. Donc ça, c'est une partie d'un DLC. Hein. Donc, le signal. Parfait. DLC du collecteur. Nombreux ennemis en approche, commandant. Il faut tenir cette position. Un tir à mort à chaque fois. Entre toi. Affirmatif. C'est on peut reprendre notre souffle quelques instants. J'aimerais bien que mon coach soit là. J'ai besoin d'une poche de glace. Le module a coupé le mode stase. On y est presque. Si on manque de munitions, il y a un dépôt de Cerberus dans le bâtiment d'à côté. Je peux projeter une singularité pour bloquer l'accès à l'ennemi. On va aller chercher les munitions. Alors, un mécalo. Merde, ça c'est un allié, bordel. Affirmatif. Ça, c'est trop de balles gaspillées.
Ok. On y va. On y va. Prendre du temps pour reprendre complètement conscience. Attention, il est désorienté. Souvenez-vous, ça fait 50 000 ans pour nous. Mais pour lui, c'est comme si... Quelques minutes! Négatif. D'après les estimations, le bunker sera envahi. Certains modules sont actifs. Ces soldats respirent encore. Leur sacrifice sera honoré dans le prochain empire. Allez à votre module. La bombe neutronique va tout purger. Centaines d'âmes. Comment rebâtir un empire avec ça? D'autres ajustements seront nécessaires. La bombe neutronique a causé des dégâts. Explique. Capteur endommagé. Le réveil automatique n'est plus possible. Vous resterez en stase jusqu'à ce qu'une nouvelle culture découvre ce bunker. Des pannes d'énergie sont à prévoir. Ne coupe pas d'autres modules. Il me faut tous ceux qui restent. Les besoins seront traités par priorité. Je serai bien plus que ça. Combien d'autres? Juste vous. Vous me comprenez bien? Oui, à présent que j'ai pu lire votre physiologie, votre système nerveux. Assez pour comprendre votre langue. Alors vous me lisiez pendant que je voyais? Nos derniers moments. Notre échec. Votre peuple a fait tout ce qu'il a pu. Il n'a jamais renoncé. J'aurais bien besoin d'un peu de cet acharnement. Shepard, vos actions ont attiré l'attention de Cerberus. Asari, humaine. Je suis entouré de primitifs. C'est dangereux ici. Vous venez avec nous? Vous combattez les moissonneurs? Oui. Alors j'aviserai. Ok. Un protéin vivant. C'est exact, amiral. Mais ce n'est pas ce que nous espérions. Commandant, nos chercheurs arrivent à peine à comprendre ce qu'ils ont à faire. Si le protéin peut nous aider à construire cet engin, il nous faut son aide. Bien compris, amiral. On perd nos colonies plus vite qu'on ne peut les évacuer. C'est la première fois qu'on est confronté à une telle force. Pas lui, amiral. Il peut nous aider? Je compte bien le découvrir. Bon, Cerberus nous a échappé, mais il nous a donné une nouvelle arme. Ne la gâchons pas. Paquet terminé. Shepard, j'ai besoin de vous dans la soute bâbord. C'est à propos de notre nouvelle invitée. J'arrive tout de suite. Quel est le problème?
Shepard, j'ai voulu arranger un peu la pièce, mais il ne me laisse pas lui parler. Mes excuses, docteur. Protocole de contact avec une nouvelle espèce, considérée comme hostile. Il faudrait mettre à jour les règles. Quelle nouvelle espèce ? J'ai étudié les protéines toute ma vie. Du calme. Notre invité ne posera pas de problème. N'est-ce pas ? Ça dépend de vous. Je sens la peur en vous, l'angoisse, la détresse. Les moissonneurs sont en train de gagner. Comment ça, vous sentez ? La vie fournit des indices à qui sait les décoder. Dans vos cellules, votre ADN, l'expérience est un marqueur biologique. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu exactement sur Eden Prime ? C'était un sacré flashback. Le combat a laissé des traces en moi. Je vous les ai communiquées. Ça marche dans les deux sens. Comme vos balises ? Oui. Qui ? Vous en avez déjà trouvé ? Vous avez tout vu ? Notre destruction, nos mises en garde. Pourquoi n'ont-ils pas été prévenus ? Pourquoi vous ne vous êtes pas préparés pour les moissonneurs humains ? C'est commandant. Et personne n'a compris vos avertissements. La balise a failli me tuer. Mais la communication est toujours primitive dans ce cycle. On a réuni ce qu'on savait, et on a stoppé une invasion de moissonneurs il y a 3 ans. Alors l'extinction a été retardée ? Nous avons les plans de votre appareil. Nous allons le construire. Appareil ? L'arme sur laquelle travaillait votre peuple. J'espérais que vous puissiez nous aider à la construire. On ne l'a jamais terminée. C'était trop tard. J'imagine donc que vous ne savez rien du catalyseur ? Non. J'étais un soldat, pas un scientifique. J'étais fait pour tuer. Quelle était votre mission ? Parmi mon peuple se trouvaient les incarnations de nombreux traits. Bravoure, force, ruse. Un seul exemplaire de chaque. Et vous êtes ? L'incarnation de la vengeance. Je suis la colère d'une espèce anéantie qui réclame que le sang soit versé. Mon but ne sera accompli que lorsque le dernier moissonneur sera détruit. C'est ma seule raison d'exister. Ceux qui partagent mon but deviennent des alliés. Ceux qui ne le partagent pas, des cadavres. Qu'en dites-vous, commandant ? Rien dans notre combat contre les moissonneurs n'est aussi organisé. Parce que vous espérez encore que cette guerre épargnera votre honneur. En effet. Tenez-vous parmi les cendres de milliards de défunts et demandez aux fantômes si l'honneur compte. Le silence est votre réponse. On a trouvé ça sur le site. Ça vous appartient, je crois. C'est un totem de mémoire. Ça nous aiderait pour l'appareil ? Non, il ne contient que la douleur. Mais je me battrai à vos côtés. Et la dernière chose que les moissonneurs entendront avant de s'éteindre sera la dernière voix des protéins les menant au tombeau. Ok. What? Là, ça bug par contre. Si vous le permettez, j'ai écrit plus d'une douzaine d'essais sur votre espèce. Amusant. Les Asari ont fini. Pardon ? Peu importe,
Que voulez-vous savoir ? Nous n'avons jamais vu une espèce dotée d'une telle capacité de ressenti. C'était courant parmi mon peuple d'échanger nos expériences par le toucher, la chimie de la vie. Des idées complexes étaient assimilées en quelques secondes. Ça semble très utile. Nous étions des chasseurs. Lire des milliers de détails dans notre environnement nous a permis de survivre. Je commence un peu mieux à comprendre les balises. Plus tard, nous avons exploité technologiquement cette capacité. Nous stockions l'information dans certains objets par le toucher. La mémoire a sa propre biologie, sa propre chimie, comme le savoir et les talents. Les balises pouvaient se souvenir de ces choses. Comme l'invasion des moissonneurs. Oui, je perçois votre agitation. Vous avez vu l'extinction de notre empire. L'essence de votre être en a été marquée à jamais. Vous pourriez ressentir quelque chose dans cette pièce ? Il y avait du liquide, une forme d'incubation. L'ADN d'un Krogan qui vivait ici. Il était puissant, enclin à la violence. Impressionnant. Il s'appelait Grunt. Si c'était mon ennemi, je l'aurais soigneusement évité. Ses gènes renferment une grande force. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'engin que votre peuple tentait de construire ? Rien que des rumeurs. On disait que nos chercheurs construisaient une grande machine capable de vaincre les moissonneurs. Vous l'avez vu ? À ce moment, notre empire était en miettes. Personne ne savait ce que les autres faisaient. Si nous ne l'achevons pas vite, nous finirons de la même manière. Léara ne me pardonnerait jamais de ne pas vous demander... Comment était la civilisation protéenne ? Oui, je me suis toujours demandé quelle sorte de gouvernement vous aviez, et que pouvez-vous dire de vos croyances religieuses, ou peut-être... Nous sommes éteints. Quelle importance. Je suis navrée. J'ai toujours été passionnée par votre histoire. Quand je suis né, notre empire se battait déjà contre les moissonneurs. L'incendie de ma planète est mon premier souvenir. Comment était votre civilisation avant l'attaque des moissonneurs ? Nous étions l'espèce dominante de notre cycle. Nous régnions sur la galaxie. Mes travaux ont révélé que seule votre espèce voyageait dans l'espace. Ça m'a toujours intrigué. Notre empire comptait de nombreuses espèces. Tous finissaient par s'appeler Protéens. Et s'ils ne voulaient pas ? Ils n'avaient pas le choix. Est-ce que vous réduisiez d'autres espèces en esclavage ? Ils pouvaient décider de nous affronter. En cas de victoire, ils auraient régné. Beaucoup ont tenté, mais ils ont tous échoué. J'ignorais que les Protéens étaient aussi... rudes. C'était une nécessité. Très tôt, nous avons été confrontés au danger. Nous avons eu le même problème. Nous les appelons Geth. Nous ne pouvions pas laisser les machines nous supplanter. Ça a marché ? Pour un temps. Puis les moissonneurs sont arrivés. Alors nous avons compris que les machines nous surpassaient depuis longtemps, à un point inimaginable. C'est Raiden Prime, on aurait dit... L'Empire était tombé, et nous savions que... Alors d'autres que vous étaient... Oui, un nouvel Empire protéiné. Nous aurions dirigé les espèces de votre temps pour les... Mais des traîtres, des agents endoctrinés nous ont trahis. Juste par curiosité. En ne vous laissant pas d'autre choix, vous auriez rejoint... Nous avons découvert plusieurs ruines protéennes. Avant la guerre, nous cultivions les espèces qui avaient du potentiel. Mais quand les moissonneurs ont frappé, nous avons tout arrêté. Bien, merci. Qu'est-ce que vous savez sur votre guerre contre les moissonneurs ? Beaucoup de détails, oui. Ceux qui avaient connu le début de la guerre étaient morts. Il y avait quand même des éclats de mémoire passée d'un soldat à l'autre. Il nous apprenait des fragments du passé. Il y a plusieurs années, nous avons trouvé une IV protéenne nommée Vigile sur la planète Ilos. C'était le gardien d'un projet de recherche. De mon vivant, Ilos n'était qu'une rumeur. On parlait de villes construites là, sur les ruines d'une autre espèce, les Inusanon. Si nos chercheurs avaient des laboratoires, ce qu'ils... Oui, Vigile a dit qu'ils avaient effacé toutes leurs traces des rejets. Les chercheurs ont fini par se plonger. Certains de mes semblables sont vivants. Non. Mais ils ont empêché les moissonneurs de prendre le contrôle de la citadelle pendant ce cycle. Je n'ai jamais vu la citadelle. Elle avait été capturée avant ma naissance. Comment votre espèce a... Par l'usure. Système.
Des mondes entiers étaient sacrifiés pour les ralentir, le temps qu'ils passaient à moissonner une population. Ça a dû vous coûter cher à la fin. Oui, puis utilisé contre nous. Mais nous n'avions pas le choix. La pitié n'est pas une arme. À votre avis, pourquoi votre cible ? Ce qui faisait notre force, notre empire. Les moissonneurs en ont joué. La division et la confusion. Heureusement, notre cycle est différent. La plupart des... Alors c'est peut-être votre seul espoir. Merci de m'avoir parlé. Je n'avais... Ça a été... Ah ? Découvrir que les espèces les plus primitives de mon époque... Et aussi les galariens. Les lézards ont évolué. Je crois que ce sont des amphibiens. Ils mangeaient des mouches. Commandant, il me faut un peu de temps pour récupérer. Je comprends. Ça doit être une sacrée expérience pour... Ok. Merci, Javik. Tant de choses perdues, tant de changements, et les moissonneurs sont toujours là. D'accord. Voilà. On va juste aller vite fait voir nos quêtes. Il ne reste pas la veine. D'accord. Vous avez rencontré notre dernière recrue ? Vous voulez parler du plus gros événement ? Attaque furtive de... On doit parler, commandant ? Faites-moi si. Ok. Et donc, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que, que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheStyle, moi j'ai dit, passez une bonne journée, une bonne soirée, et les jeux vidéo.